matin, je suis arrivée ici avec un problème que je traîne depuis. J'avais le mal des yeux et l'opération a été prévue depuis le 7. Ce matin, par la grâce, papa m'a dit que l'opération devrait être annulée. Oui, vous dites l'opération, c'était pourquoi? Hypermétropie, le mal des yeux. Hyper quoi? Métropie. Hypermétropie. Ça se manifeste comment, maman? Il y a une couche qui évolue vers le noir, cherchant à fermer totalement. Je vais prier, cette couche va disparaître maintenant. Amen. Amen. On ne va pas opérer cette femme à ma parole. Amen. De... Je vais ramener. Regardez la femme ici. Dieu va lever la couche là ici. Je ne dis pas demain, devant tout le monde ici. Yes. Toi, que tout le monde voit. Amen. Il y a des gens dans la ville ici qui pensent que nous inventons les choses. On va faire ça. Tu vois ça toi-même. Je sais qu'il y a là qui sont venus ici pour voir. Est-ce que c'est vrai? Ce qu'on voit à la télé là. Vérité. Je ne suis pas de Père Toi. Hein? Non. Quand j'arrive dans mon hôtel, je ne sors presque jamais. Vérité. Je sors peut-être pour aller manger, pour aller à l'église. Je ne sors pas moi. Je suis avec toi. Vérité. Donc, la voici. Hyper. C'est la même maladie dont souffrent mes frères. Et la même maladie dont souffrent mes frères. Vos frères ont la même maladie. Nous sommes neuf. On a déjà opéré les yeux de mon grand frère qui aujourd'hui ne voit plus. Et si cette femme n'était pas venue ici? Et si elle n'était pas venue? Mes amis, et si elle n'était pas venue? Merci au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que chaque membre de sa famille qui lavera son visage avec cette eau. Seigneur Jésus-Christ, j'invoque ton nom dans cette eau. Que chaque personne dans sa famille qui lavera sa face avec cette eau soit guérie, qu'elle soit restaurée, qu'elle soit délivrée dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme ma fille est la première à être guérie, ses frères et ses soeurs seront aussi guéris. Amen. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Maintenant, la Bible dit que tout est saint pour celui qui est saint. Et tout est sanctifié par la prière. Et tout est rendu saint par la prière, n'est-ce pas? J'invoque le nom de Jésus-Christ, ce n'est plus une eau simple. C'est simple aussi que ça. Maintenant, regardez. Tenez. Ouvrez. Vous mettez quelques gouttes. Hein? Vous lavez votre visage 7 fois, comme ça. Hein? 2, 3, 1. Ne finissez pas l'eau, vos frères aussi vont utiliser. 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'opération de cette femme vient d'être annulée. Amen. Maintenant, maman, mettez-vous ici. Mettez-vous comme ça. Quand à l'hôpital, on vous dit déjà hyper, ça veut dire que c'est exagéré. Ça c'est quoi? Yes. Ça c'est quoi? Un. Ça c'est quoi? 2. Yes. Ça c'est quoi? 3. Yes. Ça c'est quoi? Yes! Vos wow. yeux voient clairement maintenant. Ça voit, hein? Ça voit clair. Ça voit, papa. Qu'est-ce que ça vous fait? Je suis très heureuse. Contente de Dieu. Maman, vous avez payé combien pour être guérie? Zéro franc. Dieu vous bénisse. Amen. Retournez à l'hôpital, refaire les examens. Votre docteur vous demandera qu'est-ce que vous avez fait. Amen. Et revenez avec les résultats, célébrez le nom de Jésus-Christ et Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Félicitations. Merci, mon allez en paix. Amen. Tous les membres de votre famille qui ont la même maladie, envoyez-leur la bouteille d'eau aussi. Qu'ils lavent leur visage cette fois au nom de Jésus-Christ en croyant. L'impossible sera possible pour eux. Amen. Que Dieu vous bénisse, maman, au Amen. Nom de Jésus. Amen.